Des débuts concluants pour Cécile Dalméda et compagnie. Cécile Dalméda, il a changé de club. Et d'aucuns se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'il va foutre dans ce club. Est-ce que le club joue? D'autant que Lapoel Nimassol vient à Domadoné en Ligue des Champions. Et Cécile Dalméda a fait ses débuts. On va partager tout ça là avec vous ici. Nous vous prions de rester scotché du début jusqu'à la fin afin de suivre cette information. Et vous voyez, en fin de vidéo, j'ai une grosse surprise pour vous. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, Venez tout simplement ici, on a le condensé. Vous voyez, première apparition de Cécile Dalméda avec l'Apollon FC en Chypre, victoire 1 but à 0 en amical de préparation. C'était ce vendredi, 19 juillet 2024, contre Ethikos, bien sûr, Achnas, bien sûr, le milieu de terrain. Béninois a été titularisé d'entrée et c'est une bonne nouvelle parce que quand vous changez de club comme ça, soit vous êtes titulaire, soit vous êtes mis au placard. Mais avec Cécile Dalméda et son abattage avec Cécile Dalméda et toutes les capacités qu'on lui connaît, il est titulaire. Il a brigué une place de titulaire dans ce club. Notons qu'en championnat, tous les Béninois veulent voir bien sûr Cécile Dalméda en train de jouer comme titulaire et on espère qu'il sera titulaire et qu'il va prendre moins de 4 ans parce que Cécile, c'est le monsieur 4 ans par-ci par-là. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'aiment pas ça. Il y a des entraîneurs qui déteste la joueur qui prennent un peu de carton, mais il est rigueux, il est très bon et il va beaucoup servir à la sélection béninoise. Il continue de nous servir d'ailleurs parce qu'en sélection aussi, n'oublions pas qu'il est titulaire et il a quelque chose que les autres n'ont pas, la bataille physique et tout ce que vous voulez, marquage, tout, il est très bien. Et Cécile Dalméda, nous sommes contents du fait qu'il soit titulaire d'entrée de jeu dans son club. C'est tout ce qu'on souhaite pour nous, guépards, quand vous changez de club comme ça, il faut bien changer de club, ne pas aller dans des clubs et continuer pas à essuyer le banc de touche, tout ça. Donc Cécile Dalméda, il a brigué cette place de titulaire et on tenait bien sûr à vous le faire savoir. On est en train de partager les premières apparitions de nos guépards. Notons que, d'aucuns criaient que Chibozo, c'est déjà terminé. Chibozo est en pré-saison actuellement avec Amiens. C'est vrai que le joueur a partagé il y a quelques semaines des photos de vacances avec sa petite amie et tout. Et hier dimanche, notons que dimanche 21 juillet 2024, Amiens et Chibozo ont été étriés en match amical 6 buts à 2 par Anderlecht qui joue du beau football. Et notons que ce sont que des matchs amicaux, c'est pas les matchs réels, donc en amical on teste tout le monde, donc si vous en ne regardez pas le score mais le travail qui est derrière. Notons que Chibozo, il a joué, c'est une bonne nouvelle parce qu'on se disait, est-ce qu'il va continuer à Amiens? Notons que Amiens l'avait prêté la saison passée en deuxième division au Portugal au Passos de Ferreira et ça n'a pas été concluant ce prêt et on espère que le Guépard va se relancer pour pouvoir venir en équipe nationale parce qu'il n'est plus appelé depuis plus en sélection. J'espère que vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. À tout de suite mon nouveau flash. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Tu ne peux pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. Prends ma formation YouTube qui va te permettre, bien sûr, de créer du contenu sur YouTube et de gagner de l'argent. Voir monétisation, bien sûr, de chaîne YouTube, TikTok monétisé, page Facebook, formation TikTok, formation YouTube. On fait tout ça là. Il n'y a pas de TikTok monétisé à 1500 francs. Il n'y a pas de TikTok monétisé à 2500 francs. Ils vont prendre ton argent. Ils vont, bien sûr, vont te roubler. Tu n'auras jamais l'argent dans la main. Ils vont juste faire des paramétrages et tu vas croire qu'ils ont déjà monétisé ton compte. Ils feront la même chose sur YouTube aussi. Donc confie-nous bien sûr tout ça là via un seul contact plus 229 53 63 87 30. Même si tu es salarié, tu peux créer du contenu et gagner de l'argent. Ça va te permettre d'arrondir tes fins du mois. Et tu n'es pas forcément obligé de t'afficher.